c'est historique. Putain, c'est incroyable. Les morts, vous n'avez plus le droit de parler. Tu vas te faire avoir, tu vas te faire avoir. Gotha est tellement calme, alors que toi, tu cries. Parce que tu fais une erreur, parce que tu fais une erreur et ça me stresse. Mais j'ai pas fait d'erreur, j'ai voté personne. 9 secondes, messieurs. Vous vouliez que les parties manquaient de piquant ? Laissez-moi donc vous introduire l'assassin. Chaque nuit, l'assassin peut éliminer un joueur de son choix, qui ne pourra pas être ressuscité par la sorcière. L'assassin a la particularité d'être invincible à l'attaque des loups, qui ne peuvent alors que l'éliminer lors des votes pendant la journée. Alors prenez bien garde à ce personnage redoutable, qui finira par décimer le village tout entier s'il n'est pas débusqué à temps. Messieurs, mesdames, bon courage. Ah non, c'est dans Garry's Mod ça. Le rôle assassin, il est incroyable ce rôle. T'inquiète frérot, je vais te rendre la. Très bizarre. Non, Mika a oublié de se mute. Mika a oublié de se mute. Non, mais c'est bon. T'es sérieux toi? T'es sérieux? Kamel a tombé dedans. Vraiment... Mais je vous jure qu'il a oublié de se mute. Non, impossible. Je fais pas une dogby, mec. Tombe pas là-dedans. Non, je vous jure que ça ressemble grave à quelqu'un qui. Oui, Kamel, tu veux retourner sur moi puisque t'es l'assassin, c'est ça? Oui. Oh quoi? Moi ça me va. Frère, la réaction qu'il a eue, c'est pas de la. Y'a aucun acting. Là, t'es en train de dire que ça fait 3 fois d'affilée que c'est l'assassin. 3 fois d'affilée. Si tu meurs, c'est parce que Mickaël aura le seum. Juste que c'est Kamel l'assassin. 3 fois d'affilée, mec, c'est impossible. Comment ça, c'est Mickaël le seum? Si, j'ai été loup-garou 3 fois de suite. Si, c'est carrément possible. Mec, loup-garou, y'en a 2. Y'a 2 fois de chance. T'as 2 chances. Non, mais. Ça, t'as qu'une chance, frérot. Donc là, vous voulez fumer Mika? Vous voulez fumer Mika? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Attends le jour quand même. Non, fume Kamel. C'est lui l'assassin, c'est sûr, il va retourner 5 copains. Ok, bonne game les gars, bonne game. Attends, comment ça je suis mort pendant la nuit? Mais putain de sorcière de merde, je déteste. Bien vu la sorcière, voilà, j'avais raison. Calo était vraiment rageux toi, putain. T'as dit l'assassin enculé, t'as jamais dit loup-garou. Eh, l'assassin, loup-garou, ça tue la nuit, c'est la même chose pour moi, je fais pas de différence. Maintenant, est-ce que je pourrais être maire après avoir sauvé le village, s'il vous plaît? Kamel, on en revient au fait que c'était de l'acting, donc on s'est quand même fait très peur. Ouais, non, mais bien sûr, mais on a réussi quand même ce coup, donc je mérite d'être maire. Beau move. Ouais, de ouf, fort. Tiens, vas-y. Du coup, votez Kamel. Il a quand même de sauver le village, les gars, soyez pas cons. Fort. Et je peux dire que Dwagby est quelqu'un de bien. Yo. J'espère que vous avez écouté, hein. Mais arrête, toi. Ça, c'est quelle étape de sa stratégie, ça? Mais arrête. Chaque fois que tu t'attends, je vois. L'acting numéro 8. Bon, c'est le seul élément qu'on ait actuellement, mon cher maire. Je reviens avec... Kota, est-ce que t'es assassin? Non. Ok. N'oublions pas que Locklear est mort justement par l'assassin. Oui, qu'est-ce qu'il y a, monsieur le maire? Vous avez été coupé la parole. J'ai dit, tu penses que... Je pense que Dwag, il est surexcité dans cette game et qu'il y a un truc qui est chelou. Ok, Squeezie, c'est ciao. Voilà. Non. Kameto. J'ai été validé par la street, gros. J'ai peur de rien sur cette game. Validé par la street ici. Ok. Kameto, là, c'est une réelle... Erreur, il y a un malentendu général là dans ce village ce matin. Okay. M'excuse, il est vrai, j'ai peut-être tendance à beaucoup me précipiter sur Dwagby, mais à chaque fois je me trompe, donc à chaque fois j'ai envie de plus me tromper pour regagner votre confiance. Je m'excuse, c'était immature. Au moins il fait un pas vers nous. C'est beau, ok. Ça, attention, ça veut pas dire que je l'innocente totalement, mais en tout cas je ne l'attaque plus. Le problème c'est que Gotha et Aki, c'est des tombes. On va dire que j'ai des rôles depuis je te cache pas, j'aimerais bien être assassin. Est-ce que par exemple t'en as marre d'être loup-garou, Gotha par exemple? En vrai là ça fait un moment que j'ai pas été loup-garou et pour le coup j'aimerais bien l'être aussi. Et à qui Mais... Bah personnellement j'ai pas grand chose à dire là tout de suite, j'observe. À chaque fois c'est ça, toi j'en ai marre. Non mais à un moment faut se mouiller, faut dire un truc. Ouais, mouille-toi, vas-y, Aki. Vas-y, on t'écoute. Okay, j'ai des soupçons uniquement sur toi, pas parce que tu m'as voté là, mais par rapport à ce que t'as dit juste avant. Je sais que Dwagby il est safe et voilà, c'est tout ce que je sais pour le moment. Pourquoi il y a deux personnes qui innocentent Dwagby, donc il y en a un des deux qui ment, non? Kamel, vraiment frérot, écoute, vraiment, tu fais vraiment une erreur, mais vraiment une erreur très spécifique qui est peut-être jamais arrivée depuis qu'on joue ensemble. Ah, parce qu'il n'y a pas d'assassin et que l'assassin a jamais été voté, c'est pour ça que c'est jamais arrivé. Alors, ça aurait pu, mais non, c'est une vraie erreur. Je suis vraiment quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Mais tu dis pas ça à chaque fois? Non, pas du tout. Les probas sont avec nous si on vote Squeezie. Non, justement, elles sont parfaitement contre vous. Qu'est-ce que tu racontes, frérot? Imaginons qu'Ameto, Akito et moi, on est quasiment sûr d'être safe. Bon, même vas-y, faites ce que vous voulez. Hasta la vista, ça me rend triste. Il y a deux mecs sur trois qu'il faut buter, donc il faudrait vraiment qu'on soit unlucky. Putain, on est des grosses. Ok, Akito, Aki. Alors, c'est Aki qui a voté au dernier moment pour sauver Doc. C'est Aki qui a changé son vote. Aki, on t'a cramé, gros.
À qui petite salope va? Les vivants, les vivants vont s'occuper de toi. Cuisine, je t'ai cru hein. T'inquiète, c'est pas grave. Il reste l'assassin. Non, la sorcière peut bien jouer et le chasseur aussi peut bien jouer. En vrai, si la sorcière elle balance ce qu'il faut là maintenant. Mais non, elle a tué quelqu'un déjà, la sorcière. Merde. C'est bien que ça réfléchisse un petit peu, c'est bien. La sorcière a tout balancé depuis le début. Putain. Moi, je veux savoir qui c'est qui m'a poignardé, les gars. Moi, je veux savoir qui c'est qui m'a poignardé. J'aurais dû tuer Gotha, je pense. J'ai pas le choix. C'est la nuit. T'as dit quoi, Locke? Comment est-ce que t'as osé te garder la première nuit? Il fait tout le temps ça. Bah, je fais ça, je suis un. Après, tu sais pas qui gardait la première nuit. Mais pourquoi tu m'as pas gardé, moi? Bah, je sais pas, je savais pas ce que t'étais, frérot. Bah, je voulais te garder la deuxième nuit pour. Sois mère, mais tout a raté, je suis désolé. Oh, what? Bah, donc. Ah! Est-ce que les loups-garous ont essayé de buter l'assassin? Quoi que les loups-garous. Enfin, le loup-garou a essayé de buter l'assassin? Mais du coup, la sorcière a gardé sa potion du coup. Ah non, frère, j'ai dû claquer les choses là. Eh, hey, tu dévots pas à toi, petite salope. Non mais lui on sait qu'il est sorcier. Ils nous ont cramé depuis tout à l'heure, mais du coup je suis en vie. Ce qui fait que on a encore la majorité avec nous. Kamel, me dis pas que t'es l'assassin et que tu me la mets à l'envers depuis le début. Je t'en supplie. Attends, pause. Doug, t'étais mort cette nuit et t'as pu te sauver. Donc du coup c'est le loup qui t'a visé du coup. Ah ça après c'est à vous de faire vos calculs. Mais ouais. Les gars, écoutez, le loup et l'assassin, les deux ont attaqué Dwag. Et du coup, la sorcière a pu le sauver parce qu'elle peut sauver la cible du loup. Oh, j'ai eu chaud! Est-ce que quelqu'un peut m'écouter, s'il vous plaît? J'aurais voulu savoir à qui tu voulais voter qui pour le tour d'avant dans les villageois. Squeezie. J'ai voté Squeezie. Qu'est-ce qui nous fait dire que c'est pas toi le loup? Parce que moi, je me dis que c'est peut-être bizarre, non? Ouais, je pense aussi que c'est peut-être bizarre. Le vote était entre Dwag et toi, si jamais, et Dwag est safe. Ça me rassurerait que Akitu soit l'assassin et pas le loup-garou. Moi j'ai pas voté. Hein. Le vote, il y avait un vote sur Dwag, un vote sur Aki et un vote sur Lucas. Et t'as mis au dernier moment un vote sur Lucas. Ouais, je suis totalement d'accord. T'as stressé, t'as mis un vote totalement. J'avais le choix de départager et moi j'aurais pas tué ni Squeezie ni Dwag. Donc je t'aurais tué toi. Non, mais dans tous les cas, venons vote Aki pour là. Mais faut juste qu'il soit assassin et pas loup-garou. Ta défense, elle était trop vague. Après, ça se trouve, Gotha, il est en train de nous la mettre à l'envers avec Magla. Je mets rien du tout à l'envers. Non, mais forcément, bah si, forcément. C'est soit toi, soit Magla, il y a quelqu'un qui est en train de nous la mettre à l'envers. Il y en a un des deux qui vous la met à l'envers totalement, mais c'est pas très grave. Aki, c'était safe, fais-le savoir. Hein. J'adore quand il est mère, Kamel. Je pourrais pas te dire grand-chose. Un des deux vous la met à l'envers. Je pense que c'est plus la personne à ma gauche. Mais Aki, toi, t'es un méchant, je te le dis. En vrai, le loup-garou, c'est un gentil. Ouais, mais le loup-garou, c'est un gentil, il m'a sauvé la vie sans faire exprès. En vrai, les gars, le loup-garou, c'est un gentil pour le coup. Sache que t'as gagné avec nous pour moi dans le cœur. Ma défense a été baisée en fait. En vrai, c'est rien qui me tue, hein. C'est débile qui me tue. Je sais rien. Elle est trop bien la game. Elle est incroyable celle-là. Ah, l'assassin il est bien, putain. Oh. Il y a un chasseur encore, hein, les gars. Il y a une bombe atomique. Oui, oui, en fait, le problème c'est le chasseur contre l'assassin. Parce que le chasseur il se retourne au dernier moment contre toi et t'es mort. Ouais. Gars, je peux vous assurer que le village a gagné à 100%. T'en as un Kamel. Kamel, est-ce que tu veux m'écouter comme la dernière fois, s'il te plaît? Vraiment, fais-moi confiance. Kamel, t'es chasseur, Magla. Fais-moi confiance, te laisse pas avoir par Gotha qui ferme sa gueule depuis le début de la game. T'es obvious que je suis chasseur. Comment les dévots là, allô. Kamel, fais-moi confiance, vraiment. Il parle pas depuis le début. Qui est-ce qui a voté à qui tout à l'heure? C'est moi, c'est pareil. J'étais le premier à innocenter Dwag. Ouais, mais c'est parce qu'il a dévot qu'il était sorcière, tout le monde aurait pu le faire ça. Non, il a dévot après, Oui, non, mais la nuit, il a fait comprendre qu'il était sorcière. Parce qu'il me faisait en mode est-ce que c'est vraiment Mika ou pas en rigolant. Donc moi j'ai compris qu'il était sorcière la nuit. Bizarrement, Mika est mort direct quoi. Kamel, si jamais je te mens sur cette game, t'as le droit de plus jamais me croire sur aucune game de loup-garou. Non, madame, vous n'avez pas le droit. Vous faites tout le temps cette technique, j'ai le droit aussi. Fais-moi confiance, Kamel. Kamel, t'as une responsabilité, elle est historique cette game. Historique. Fais-moi confiance. Depuis tout à l'heure, Gotha il parle pas, il vient juste de se réveiller. En vrai, si tu te rappelles de la game, c'est méga obvious. Après là, je peux rien dire de plus, gros. Vraiment, no joke. Mais non, mais tu dis ça à chaque fois, mon dieu. Ah non, justement. Justement, je dis pas ça à chaque fois, justement. Bon. La sincérité de Corentin ou la sincérité de Magla. Les morts, on n'aide pas les morts, hein. Bien sûr que si. Mais Magla, t'as fait des votes débiles, c'est obvious. J'ai voté à qui? Je l'ai tué. C'est un loup-garou, allô. La game était free win pour toi. On a d'un côté une Magla surexcité qui est dans tous ses états. Non, mais Gotha m'a prouvé qu'il était voyante en innocentant Dwag. Ok, Gotha, t'as très bien joué, bravo, mais on a perdu si Kamel fait ça. Magla, toi, t'as voté à qui? C'est vrai. J'ai voté à qui et je l'ai fait à chaque fois. À chaque fois, j'ai laissé dessus. 30 secondes. Kamel, reste jusqu'au mer encore, tu peux laisser l'égalité. Fais-moi confiance. Mais y'a obvious, rappelle-toi du début de la game. Kamel, je suis le seul. Je suis le seul à savoir jouer sans dévo. C'est historique. C'est incroyable. Kamel, déjà, en assassin, tu serais mort depuis le début. Oui, je sais. Mais je peux pas dire plus. Oh, l'attention, elle est palpable. 9 secondes, messieurs.
Tais-toi, il y a le maire, laisse-le. Okay. Voilà. Les morts, vous n'avez plus le droit de parler. Le seul truc sur lequel je peux me reposer, c'est que Gotha m'a dit que Dwag était safe. Tu vas te faire avoir, tu vas te faire avoir. Gotha est tellement calme, alors que toi, tu cries. Parce que tu fais une erreur, parce que tu fais une erreur et ça me stresse. Mais j'ai pas fait d'erreur, j'ai voté personne. Donc tu vas mourir à dire que je fais des erreurs. C'était sûr en fait. Putain, il me dit. C'était sûr que c'est Coco. Je pouvais pas faire plus. Tête de nœud, Kamel. Putain, il me dit. Ouais, mais comme c'est le chasseur, l'assassin, il gagne pas. Égalité. Il a pas gagné, je m'en fous. Il a pas gagné, mais regarde. Égalité, c'est pas grave. Égalité. Non, en vrai, il a gagné, en vrai, il a gagné. Non, il a pas gagné, il a pas gagné, c'est pas gagné ça. Pensez qu'il y a égalité si vous voulez, on se sait avec Kamel. Pourquoi tu m'as pas écouté? Elle s'est donnée, Kameto, et t'as rien pris. Elle a tout donné, t'as rien pris, frérot. Kameto, je disais exprès aux morts de pas parler parce que je savais que Locke, il savait que Magla était innocente. Je savais que Mecha aussi, il savait que c'était Coco. Donc j'ai dit à tout le monde, fermez bien vos gueules parce que c'était, pour nous, les connaissances, c'était grave obus. Messieurs, dames, s'il vous plaît, on peut applaudir le premier gagnant en tant qu'assassin. Non, non, il a pas gagné, pendant temps. Non, il a pas gagné. Il y a égalité, égalité. Il a rien gagné, frérot, rien gagné. Mais ça reste la plus belle prestation en tant qu'assassin qu'on ait vu pour le moment et qui va l'être pendant, à mon avis, longtemps. Tu vois pourquoi j'ai fait de la flûte? Parce que je savais que j'allais m'en aller. C'est passé une super soirée en tout cas. Ah, le pauvre, non, par contre, il est mort au moins. C'est un record de mort T1. Ouais, mais franchement, il le mérite. Ça me fait plaisir. Merci Squeezie de m'avoir invité ce jeudi soir. Mec, t'inquiète, ça va, mais c'est pas grave. Merde! Eh ben, ma classe, ça nous a fait plaisir. Reset. Vas-y, rejoignez, on va refaire là. Vous voulez pas qu'on trouve vite fait qui est l'assassin là? Bah, c'est moi l'assassin, j'ai trop les nerfs! Oh mon dieu! Je suis anéanti. Magla, prochaine game, peu importe le rôle que j'ai, je vais te tuer. Désolé, Kamel. Non, parce que si t'es re-assassin, gros, ça te donne un vrai avantage pour le coup. Ouais. Parce que statistiquement, on dit, son ouais, il est en mode, bah je le suis pas quoi. Il y a Magla déco, je t'en supplie, déco Magla. Ah, je déco là. Il a sorti son meilleur. Ouais. Non, mais Locke, c'est pas que j'ai quelque chose contre toi. C'est par contre, mec, moi c'est juste les deux dernières games où j'ai voté contre toi en vrai. Genre les autres fois, c'est pas moi. J'avoue que tu t'es pris un focus, mais c'est. Ok, mais non, mais tranquille. Moi je note. Moi Magla là. Magla, toi, je vous fume. Ok. T'essayes de me tuer là? T'essayes de me tuer? Locke, lire à chaque fois. Essaye de me tuer, c'est ça? Mais je vais te tuer. Jette une bombe sorcière, s'il te plaît. Allez, c'est la dernière. Faites ça bien là. C'est la Qu'est-ce qu'il y a, Scoozy? Qu'est-ce qu'il y a, Scoozy? La DER! Parce que Scoozy, ça se voit, il est mort de fatigue. Mec, moi j'ai 80 ans. Normalement, les gars, à 22h30, je suis dans mon lit, hein. Je rigole pas, hein. Putain, mais j'en peux plus! Putain, j'en peux plus! Magla! C'est un acharnement. Non, Locke, je suis désolé, c'est pas moi, je te jure. Locke, tu t'es pas fait poignarder et c'était, en fait, c'était sûr que t'allais faire ça, c'était sûr, gros. Sérieux, mais arrête de faire ça et après tu te plains parce que t'es morté. Oh, j'ai peut-être pris une bombe, bande de neuneux. Il a dû vouloir faire comme moi quand je me suis fait focus, je me suis dit je vais me voter parce que comme ça on va me sauver, ça a pas marché. Bah, mais là, Locke, tu peux pas te plaindre là, t'es stupide là pour le coup. Merde, mais. T'es vraiment, tu t'es. Tu crois que les gens ont quelque chose à foutre que tu meurs 10 fois de suite, T1, ils s'en foutent, mec. Au contraire, ils adorent. Tu sais quoi? On est sur Discord ensemble. Les gars, et à chaque nuit, je vais vous jouer de la flûte pour que vous dormiez bien. Non, allez, Alain, c'est bon, c'est comme ça que ça marche. Mettez-moi mère, s'il vous plaît. Non, on met pas Squeezie mère. T'es qui toi? PTDR, t'es qui? On met Dwag mère. Moi ou Aki, ouais. Moi ou Aki. Pourquoi tu veux pas mettre mère en fait? Lui quand il veut, il fait que de me tuer cette nuit, donc je veux pas que ce soit mère, c'est tout, j'ai le droit. C'est moi qui décide des mères d'ailleurs, je le rappelle. Et si moi j'ai pas envie, qui a dit que je dois décider des mères? Moi j'accepte d'être mère et je vais faire régner la paix sur ce village, c'est tout. Voilà. Ok, et ben on met ni ton premier choix, ni mon premier choix. Alors, on met quelqu'un d'autre. Pourquoi Aki? Pourquoi tu forces sur Aki toi? Vas-y, on va mettre Magla. Allez, tu sais quoi, Magla? Non, mais les mères ils crèvent tout le temps, je suis pas sûr de vouloir. J'ai pas le droit d'être mère apparemment cette game. Non, t'as pas le droit, toi t'as pas le droit. Je suis énervé, je boot. Mais tu me boot pas moi, Kamel. Ok, je m'excuse, on met Squeezie mère, Ok, votez tous Squeezie, allez. Ouais, Squeezie ça me va, moi Squeezie je trouve ça bien. Putain, mais le maître des mères quoi. C'était juste pour prouver que c'était moi qui décidais du maire, voilà, je voulais juste. Vu que c'était pas ton choix, ça t'a pas plu quoi. Je suis désolé d'avoir contesté ton autorité vis-à-vis de l'élection des mères. Est-ce que je peux être premier ministre? Évidemment.
Merci. Ah bah tiens, t'as des votes. Ah bah super. Fais attention à tes votes par contre, mon premier ministre. J'attends mon maire qui me défende. Bon, il y a aucune preuve concernant une attaque vis-à-vis de mon premier ministre, donc faites pas les malins. Ça doit être, j'imagine, une attaque personnelle du corbeau. Ah. Qui en aurait après Kamel? Alors, il y a Akichio, il y a Gotaga, il y a Magla, il y a Squeezie, il y a Mika. Non, et... dis pas mon blade par contre. Non, Dwag, je pense pas. Voilà, j'étais cool toute la soirée, moi je te veux pas de mal. Bah, tout le monde sauf Dwag. Du coup, je propose qu'on tue Dwag. Parce ouais, que mais ça veut dire incroyable. Ça veut dire qu'il est pas corbeau. Vas-y, ça veut mais dire qu'il est pas corbeau. Mais vous faites tous influencer, c'est incroyable ça. Ouais. C'est pas con. En vrai, donc, sa strat, elle est pas. Attends. Kamel, tu l'as pas innocenté de base? Mais si, vas-y. J'ai jamais innocenté personne. Aki, t'as peut-être vu des choses durant la nuit. T'as peut-être entendu des bruits à ta gauche. Non, non, absolument rien là pour le coup. Mika, toujours pas un mot de la game. Quand je rigole, c'est moi. Quand je rigole pas, c'est moi. Quand je parle pas, c'est moi. Quand je parle, c'est moi. Ok, défends-toi. Je suis Premier ministre, défends-toi. Mais il est trop fort, ce Premier ministre, mec. Par contre, monsieur le maire, je trouve que votre Premier ministre prend un peu trop le. T'es mort. Oh là là. Ah là, par contre, si tu fais ça. Monsieur le ministre, si vous faites ça, par contre, vous faites une grave erreur. Pourquoi? Défends-toi, dépêche-toi, défends-toi. Je peux te dire qu'ici, je sais qui sera notre allié. Et pour le moment, je ne continuerai pas à cette. Dis que c'est moi, s'il te plaît, dis que c'est moi, s'il te plaît. Ça veut rien dire. Ok, bon, bah, au revoir. Voilà, je vais bon, là, de toute façon, balance le blaze. Non. Aïe. Ah bah ouais, oh là là, zut alors hein. Monsieur le maire, veuillez reprendre votre village s'il vous plaît. Oui, excusez-moi, je vais me ressaisir. Désolé monsieur le maire, c'est des erreurs de calcul, ça arrive à tout le monde. Tête de nœud monsieur le maire, tête de nœud. Ah, ça parle pas quand c'est les loups-garous qui jouent hein. C'est normal, la nuit on dort. C'est vrai. Bonne nuit. Bah moi j'ai passé ma soirée à dormir si tu veux savoir. Oh non. Éternellement. Locke, je te soutiens vraiment. Putain, merde, la flûte. Attends. Ouais. Attends, c'est quoi le bouton mute déjà? Va falloir se dépêcher de jouer, la sorcière, hein? C'est insupportable. C'est horrible, ta flûte. Si encore il savait en jouer, tu vois. Non, en vrai, le morceau qu'il a fait avant, il était pas dégueu, hein. Merci à qui? Je t'aime, mec. Je t'aime, à qui? Tiens. Ah, les chiens, ils ont tué le maire. Tiens. Bande de rats. Là, c'est le pouvoir qui a été contesté. Monsieur le maire, faites-moi confiance. Bah, monsieur le maire, dites-vous qu'il y a une personne qui voudrait votre place et c'est le Premier ministre actuellement. Ça n'a pas de sens. Squeezie, s'il te plaît, mais pas le. Squeezie, mais juste pas Kameto. On n'est pas dans les profits d'intérêt, on n'est pas dans ce genre de truc, nous. On est des frères à la mairie. Monsieur le maire. Merci, monsieur le maire, c'est un honneur. Voilà, ça se maire. Ah, Gotha. Regarde, suis-toi, Gotha, petite surprise. Hop, voilà. Mais c'est... Oh, la défense est nulle, on vote, c'est bon. Mais non, c'est pas ça. En fait, Squeezie m'a voté, même en corbeau, il me casse les couilles, c'est incroyable. C'est-à-dire, toute la soirée... Non mais vraiment, no joke. Non mais on est tous les deux, dans ce combat, Kamel. Après, j'aimerais bien dire on est frères, mais cette game-là, je te sens pas, bro. Bah, c'est normal, t'es loup-garou, donc on peut pas être frères. Non mais en vrai, là, on vote Gotha, mais j'ai un vrai doute avec Kamel. À qui, toi, t'en penses quoi, là? Je sais pas, les deux sont très chelous. 100% Mika m'a check, et c'est pour ça que je voulais qu'il balance le blaze, parce que il m'aurait innocenté, et je pense que cette game, Kamel, est soit loup-garou, soit assassin. Moi, je sais pas pourquoi, depuis le début, j'ai un bon feeling avec Aki. Écoute, au pire des cas, on fait un truc. C'est notre succès, Gotha, parce qu'en fait, on est trop fort. Oui, mais sauf que là, t'es vraiment. C'est Dwag, je peux t'assurer que c'est pas moi, Gotha. Soit tu mens et t'essayes de brain tout le monde, moi, je peux t'assurer que c'est pas moi, et je vois pas pourquoi Mika t'aurait innocenté vu qu'il l'a pas fait en fait. Et justement, quand je suis coupable, t'inquiète pas. Attends, dans les votes, t'as pas voté Mika toi? Si, Gotha a voté pour Mikalo. Non, Gotha, il a voté Mikalo aussi, tu ne sentais tant que ça. Magla, regarde. Toutes les semaines avec Mika, quand on est voyante, on se check mutuellement. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait quand j'étais voyante, quand il était sorcière. J'ai checké directement, on fait tout le temps ça. Et là, en gros, à chaque fois que je suis loup-garou, t'inquiète pas que. C'est pas qu'il dévoue, mais t'inquiète pas qu'il insiste bien. Et là, je pense que. Là, il m'a checké, il a vu que j'étais pas loup-garou. C'est tout ce que je peux te dire, Magla. C'est méga logique. Non, ok, tu sais quoi, je vais te croire pour celle-là. C'est Dwag et Magla, ça pue Dwag et Magla. Non, par contre, si tu commences à dire que c'est moi, mec, je vais regretter certains trucs si tu commences à dire que c'est moi. Moi, j'ai pas envie de tuer Gotha là, j'ai envie de tuer Kamel là sur ce round, hein. T'es Dwag. Genre, vraiment, pour moi, c'est Dwag. C'est simple. Je vous assure que je suis pas loup-garou ni assassin, je ne suis pas un méchant. Et à qui tu sauves Dwag toi? Là tout de suite, non, je tue Dwag. Je tue Dwag, mais je tue Kamel aussi, tu vois. Mais moi je pense qu'il faut tuer les deux, no joke. No joke, c'est les deux. Go Kamel alors, go Kamel. Ouais. Non, mais c'est Dwag. Oh putain. Mais on a fait de la merde là. Ah le cri. Le cri avant de mourir. Il est parfait, mec. On dirait vraiment qu'il est mort sur le coup. Attends, mais vous êtes sérieux là? On est dans la merde de ouf. Bienvenue dans le monde des morts, frérot. Salut les mecs. J'ai pas de micro comme vous. Oh putain. Il meurt et sa flûte meurt avec lui. Tes mecs me dégoûtent parce qu'à la fin ils ont tous fait. Oh putain, on est dans la merde là. J'ai l'impression que l'assassin ne va pas faire un draw cette fois.
Ah non, l'assassin il va die, hein. 100%, là on va le fumer. Hein. C'est juste le loup-garou, va falloir bien le cibler derrière, je vous le dis. Hein. Est-ce que lors de cette dernière game, là, un joueur va marquer l'histoire? Je vous dis, je pense que l'assassin a forcément gagné en fait. À moins que le garde clutch, tu peux pas. Même pas, il peut pas se garder de l'assassin. Aki, tout Aki repose Aki sur toi. Bah les deux autres, pas moi, tout sauf moi. Aki, fais pas le con, je t'en supplie, si tu veux, viens, on discute. Aki, je vais pas gueuler. Aki, les deux, je vais pas gueuler, j'en ai marre de gueuler. Ah, yes. T'es sérieux? Non, putain, arrête. Aki, pourquoi tu ruines, frérot? Je vous l'ai dit. Avec le maire. C'était sûr. Fallait fumer l'assassin en plus, et t'as fumé Gotha. Je te la dédicace, Squeezie, elle est pour toi, celle-là. Veuillez accueillir l'assassin. Messieurs dames, McBee a fait la première win en tant qu'assassin. C'est grâce à toi, Squeezie. C'est full mérité, mec. Non, c'est pas mérité, je suis dégoûté, j'ai la haine. Vous êtes rageux, t'es un rageux. GG Dwag. J'ai envie de mourir, il va nous le rappeler non-stop.